Bon mardi, j'espère que vous allez bien, que la nuit a été bonne, reposante et qu'on se prépare à vivre une belle journée comme on le fait tous les mardis. C'est toujours avec beaucoup de joie que je vous le présente, notre ami l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. En ce début de printemps, c'est la parabole du sablier. C'est la petite Émie qui s'amuse avec le sablier qui est posé sur la table du salon. Elle était intriguée par ce sable fin qui fuyait d'une coupole à l'autre. Elle n'arrivait pas à s'expliquer ce qui pouvait bien provoquer le sable à fuir ainsi d'une sphère à l'autre. Émie constatait que ce sablier devait servir à quelque chose, mais dans son imaginaire d'enfant, elle ne trouvait pas de réponse à ses interrogations. Alors sa maman, Anne, vint vers elle pour lui expliquer l'utilité du sablier. « Un sablier, ma chérie, dit-elle, c'est pour mesurer le temps. Le temps passe aussi vite que le sable dans le goulot du sablier. » Alors la petite lui dit, « Mais lorsqu'il n'y aura plus de sable dans le goulot du haut, qu'est-ce qui va arriver? » Et là, la mère est de plus en plus embêtée. Et là, elle lui dit, « Mais quand le sable coule d'un contenant à l'autre, c'est la qualité du temps qui est importante. » Et je pense qu'on ressemble beaucoup à cette petite fille. On se demande parfois, qu'est-ce qu'on doit faire pendant que le sable coule d'un contenant à l'autre? Est-ce qu'on s'assoit à regarder le sable couler ou bien si on remplit le temps de belles choses? Depuis toujours, les hommes et les femmes ont tenté de trouver des chemins de plénitude. Ils ont tenté de trouver des fois des dieux imaginaires ou des faveurs qu'ils ne pouvaient obtenir. D'autres ont tenté de trouver une réponse à la quête de sens de leur vie. Et avec la foi chrétienne, on pouvait découvrir un chemin qui donne un sens à tout l'être. Le Dieu qui se révèle par les prophètes, c'est le Dieu qui propose un chemin, une route de plénitude. Il se révèle comme le Dieu partenaire des humains. Il nous invite même à être des co-créateurs avec lui. Il veut qu'on remplisse notre vie de plénitude. Il est à la fois un père, une mère. Il ne cesse d'être parent pour que la vie qui passe vite quand même puisse être bien remplie. C'est Dieu qui nous habite de sa plénitude et qui nous invite à être plénitude pour les autres. Et grâce à la foi, nous sommes habités de lui et par lui. Et c'est ce qu'on est invité à faire tout au long de notre vie. On ne sait pas la longueur de la vie, mais on sait que cette vie-là peut être de qualité pour tout le monde. Et c'est le sablier du temps qui peut nous le permettre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce nouveau livre. Pour moi, c'est mon bébé, j'en suis tellement fier. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans. Vous savez à quel point j'aime le psaume 23, je vous en ai beaucoup parlé. Et ce psaume a changé ma vie. Et le livre s'appelle simplement le psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est ce que c'est écrit sur le livre et j'y crois profondément. Ce livre nous apprend à bien prier le psaume 23. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD audio. C'est moi qui lis le livre et aussi avec deux affiches qui ont le psaume 23 pour que vous puissiez l'avoir toujours avec vous, que ce soit sur le frigidaire, dans votre auto, que vous puissiez toujours être capable de le réciter régulièrement pour que ça rentre vraiment, pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur surtout. Et moi, je vous le dis, ça va changer votre vie. J'ai déjà plein de témoignages de gens qui méditent ce psaume-là
et ça a changé leur vie totalement. C'est avec un don de 25 $ et 2 pour 40. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous remercie de tout cœur et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau, ce livre, le psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour votre méditation quotidienne de la parole de Dieu en ce cinquième mardi de carême. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous révéler son intimité, sa grande intimité avec le Père éternel. Demandons donc à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu qui va être proclamée et qu'elle porte vraiment beaucoup de fruits dans notre cœur et dans nos vies. Jésus disait aux Juifs, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. » Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se suicider? Puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. Jésus leur répondit, vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet, vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Les Juifs lui demandaient, « Mais qui es-tu donc? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. » Les Juifs ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'évangile de Jean. On reconnaît tout de suite, je dirais, la couleur. On reconnaît tout de suite aussi, je dirais, certains messages. Je dirais s'il y avait... il y a plusieurs choses dans le texte qu'on a entendues, mais s'il y avait une chose, une idée qui résumerait bien ce texte-là, je dirais, c'est toute la question de l'identité de Jésus, qui va être concentré en une question quand les Juifs vont lui dire « Mais qui es-tu donc? Qui es-tu donc? Qui était Jésus? » Vous savez quoi? Ça fait 2000 ans et plus que cette question-là résonne dans le cœur de l'humanité entière. Qui est donc Jésus? Personnage le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Vraiment là, qui est donc Jésus? Et selon la réponse que l'on va accorder, qu'on va donner, pardon, à cette réponse-là, bien évidemment, on va devenir ou non ses disciples. D'accord? Et ce texte-là le montre bien, parce que Jésus pose les choses très clairement. Il est en dialogue, n'est-ce pas, avec ses amis, entre guillemets, avec ses co-religionnaires juifs. Et Jésus leur enseigne. Jésus enseigne
sa vision de la religion, hein, parce que Jésus veut transformer la religion juive, qui était trop légaliste, qui était trop ritualiste, trop de sacrifices, trop de commandements, trop de... Les chattes, ils perdaient leurs petits. C'était trop compliqué, cette affaire-là. Jésus voulait résumer ça, simplifier ça, rendre ça plus humble, hein, parce qu'évidemment, on sait bien, les grands prêtres, tout ça, ces gens-là se pensaient bons, étaient remplis d'orgueil et tout le reste. Et les Juifs comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils refusent son message. Et Jésus leur explique, ben, vous refusez mon message parce que vous refusez de voir que moi, je suis d'en haut, je suis envoyé par le Père. Autrement dit, que ma légitimité, hein, je la tiens de Dieu même. Et c'est pour ça que, voilà, vous refusez le message et c'est pour ça que vous allez mourir dans votre péché. Okay? Mourir dans votre faute. Parce que, une autre, hein, on ouvre un autre tiroir, dans l'Évangile de Jean, puis dans tous les Évangiles, puis l'Église le répète depuis 2000 ans, la mission de Jésus, c'est quoi? Hein, quand Jésus dit en fin du texte, je fais toujours ce qui plaît à mon Père, Jésus n'a pas été envoyé dans le monde, je dirais, dans un club med, là. Il n'est pas venu ici pour s'amuser. Oui, aussi, il s'est amusé. Hein, il a créé des liens d'amitié profonds avec... il a aimé les gens. Jésus a vécu une vie incroyablement intense. Mais sa mission, c'était sauver le monde. Sauver le monde. Sauver le monde du péché. Hein? Faire advenir l'amour total, plein, l'amour qui sauve de Dieu dans un monde qui refuse cet amour-là. Hein? Dans un monde qui est attiré par les ténèbres, un monde qui est attiré par le mensonge, qui est attiré par, voilà, tout le côté sombre de l'autre. C'était ça la mission de Jésus. Alors, hier comme aujourd'hui, la question résonne encore dans mon cœur, dans votre cœur, dans le cœur de l'humanité entière. Qui est donc Jésus? Heureusement pour moi, heureusement pour vous, heureusement pour tous les croyants, ben pour nous, la réponse est claire. Jésus est d'en haut, Jésus vient du Père, et c'est pour ça qu'on croit. Et c'est pour ça qu'on croit que ce qu'il a enseigné à propos du Père, le sens de la vie qu'il nous a donné, hein, l'amour comme valeur suréminente, la plus importante, c'est pour ça qu'on croit en lui. Jésus est crédible, Jésus vient du Père. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière ». En compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la Basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais ou 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée sur l'amitié ce matin qui dit ceci. L'amitié ne juge pas. L'amitié ne questionne pas. L'amitié n'impose pas. L'amitié s'offre tout simplement. Ça, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, on pourrait prendre le temps de remercier le Seigneur des amis qui nous entourent. C'est tellement important. Et pourquoi pas aujourd'hui, peut-être juste faire un téléphone en disant, si tu savais comment tu es important, tu es importante pour moi. Merci d'être mon ami. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain. Bye. Ton premier conjoint est un abuseur, mais ton deuxième te réserve une surprise, une mauvaise. Ouais. C'est quoi? Il a abusé de ma fille. Il a abusé de ta fille. Elle avait quel âge, ta fille? 14 ans. Comment on se sent comme maman? Dépassée. Carrément dépassée. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.